miyane bukune amesiame yungia yobe ne woto anekula miyako kobe enone ine burunye to amen. Amen. Nyejibe niyadu mkwejina nyikatabe miyano esubona le Église des Assemblées de Dieu du Togo le Akwe Nive Mubi. Beha Miyame. Afima yo, subona le. Fanfara etu epa mame. Eye ehadiha efewadi hadwa non yo tume. Utiva fara ke fan de lao, le messager de la paix. Nous disons foi. Gideon Pepe, Adina Akwa Saoto. Tu sais faire que faire de l'homme. Il y a des cas. Il y a des coucounia à quoi il a mis les liens. Mon bonheur, et ma patrie, à bientôt.
Donc, nous allons faire la même lecture en français, psaume 90, verset 12. Là, nous lisons ce qui suit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apocalypse 14, verset 13. Nous lisons, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alléluia. Amen. Bien les commentaires, dans les cœurs que vous pouvez... Je ne voudrais pas faire un grand commentaire à propos de ce que nous avons lu. Parce qu'il y a le prédicateur qui viendra nous prêcher. Seulement, je voudrais vous dire ou nous dire que nous devons apprendre à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Comment allons-nous pouvoir compter nos jours? Elle n'est pas, au tactien, nu et top. Maintenant, n'est que autre que Vadola. N'est pas celle du nuet, n'est pas parce qu'elle a mis à tout. Tout simplement, je voudrais exhorter quelqu'un sur cet apartame que nous puissions vraiment faire le bon choix afin que, quand ces jours-ci semblables apparaîtront, nous puissions. Vraiment, levez-vous la tête. Alléluia. Yacho banan fanfare, le ba, adnami hakwele kape. Nous allons donner l'occasion à la fanfare de nous donner un seul chant.
Secrétaire général adjoint de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Pasteur principal de l'Église des Alpes de la Bonne Nuit Sainte. Il est le pasteur de notre maman qui n'est plus et qui jouit à la droite du Père, nous le croyons. C'est pour présenter un vieux condoléance à toute la famille Ametsu. Et à toutes les familles proches de la famille Ametsu. Présenter également nos condoléances à toute l'Église. Au même moment, souhaiter la bienvenue à toute l'Assemblée. Merci à vous qui êtes là pour compatir avec la famille et aider afin de conduire notre chère maman à sa dernière demeure. Donc, nous sommes à la veillée. Et tout à l'heure, nous allons écoutez le conseil de Dieu. Ces conseils ne visent plus notre maman qui n'est plus là. Et nous pouvons venir là de quoi, mais les inamiens qui m'ont donné bientôt mal. Mais toutefois, c'est à toi et à moi. Bon, déjà donné des paroles. Que le Seigneur nous encore donne le souffle et continue. Ces conseils nous serviront certainement de faire un choix. Et ce choix, c'est de se laisser dans les mains du Sauveur Jésus-Christ pour de redéfinir notre vie avec le Seigneur Jésus. En attendant que notre tour aussi arrive. Car nous tous, nous finirons par là. Vraiment, toutes nos condoléances à la famille. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur vous console. Mais ça ne fait pas encore un an quand nous avons enterré le papa. Je crois que ça fait 10 mois comme ça. C'est en décembre. Et la maman aussi a 6 ans en octobre ou à septembre, je crois. Le ciel qui n'abandonne jamais ses enfants est à vos côtés et sera toujours à vos côtés. Amen. Alors, par rapport au message
Dieu va passer par son serviteur pour nous parler. Le révérend Adekwe Dig, qui a été pasteur de notre maman, mais Kenya passe ton ami à moi, va y qui nous rassemble ce soir par rapport à son départ céleste. Mais Kenya, le mien demain, et au premier catania le foule au troyen ici à Bressante. Les agressants frères à Miami, c'est l'un de mes grands frères, passe ton beau très cher, passe ton beau foué à mon bébé au Guinée depuis l'institut public. Je peux pas vivre la sculpture. Et c'est après lui que je sers aux côtés du révérend Salah Makou dans l'église des AD à Gouin-Bessante. L'église pasteur a dégoûté la Bessante, frère à bien bien. Et le pasteur dit tiens, va dormir. Alors nous allons lui céder le micro. Bien sûr, et mon bon mari. Elle est avec son épouse. Si son épouse pourrait se tenir debout. Vous pouvez être Eva et une clédite. Merci beaucoup, pasteur. À peu près, pasteur. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Et la Bible nous a appris à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que son nom soit loué pour tout ce qu'il fait. Je voudrais ce soir dire merci au pasteur Tchinchan, au pasteur Tchinchan et que le pasteur Tchinchan veut quand même. À son pasteur principal qui ont bien voulu l'associer à ses obsèques. Chers collègues pasteurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour nous. Chers diacres d'Abonné du Centre, la paix soit avec vous. Toutes les villes d'Abonné du Centre, que le Seigneur vous conseille. La famille Ametou. Ametou le premier. Nos prières vont vous soutenir. Mon directeur Edouard, courage. Directeur Edouard, le dirigeant pour. Nous travaillons souvent ensemble. Ensemble avec le pasteur Rapi Aziadeke. Le souple pasteur Rapi Aziadeke. Dieu vous bénisse. Bon Yvan. Nous lisons notre texte de méditation dans Exode, le chapitre 40. Exode, le chapitre 40, les 7 premiers versets. Moi, c'est pas avant de lire ta blague, puis qu'il peut encore y entrer. Le deuxième livre de Moïse. Moi, c'est pas avant de lire. Exode, chapitre 40, versets 1 à 7. Moi, c'est pas avant de lire ta blague, puis qu'il peut encore y entrer. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'huile. Amen. Moi, c'est pas là qu'on est venu à ta plainte, et puis tu vas encore y entrer à mon ami. Et je vois à mon ami, c'est maintenant. L'électrique, quand ton père, et quand ton dit, n'a pas son père. Si enye mope agbadola, chon wadada kala dare eme, e na chon chome chukola akhe adakala nkume. Chon klola dare eme, e na chon nkume dokulula adare eji. Elege nako akaritila ava eme. Eye nafo akaribio ado eji. Eye na chon sika vosamlipi. Si ti wa to du jodo atade nubablada kalape nkoje eye na cho avo atu agbadola nu
Eye na cho no me vosa mle kwi la atare ebe nobela si enye mope agbadola nu vo nu votwa pe nkoche cho tilezela dare mope agbadola mle vosa mle kwi la do domen eye na kuchide eme amen. Amen. Pasteur Happy, vous voudrez bien prier pour nous. Pasteur Happy, à peu près de bien. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Et il t'a plu d'utiliser ton serviteur pour communiquer ton cœur. Nous voulons te recommander toute vie ici présente. Et nous prions que tu illumines le cœur de tout un chacun. Que tu ouvres l'entendement de tout un chacun afin que nous comprenions ta parole et que le but de cette parole puisse s'accomplir pour chaque vie. Merci d'utiliser ton serviteur. Merci d'utiliser son interprète parce qu'ils sont des instruments de tes mains. Tu les as utilisés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mon pasteur. Plusieurs peuvent se poser la question, est-ce que ce test a un rapport avec l'événement qui nous a semblé? Frères et sœurs ici réunis, le tabernacle a beaucoup d'instructions à nous donner. Le tabernacle annonce l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de manière prophétique. À partir de ce tabernacle, le Seigneur nous indiquera ce soir le chemin à prendre pour arriver à la maison du Père. Et tout notre maison, c'est le ciel, le lieu de la présence de Dieu. À cet effet, notre méditation ce soir aura pour sujet le chemin de la maison. Suivons maintenant l'itinéraire de ce chemin qui nous conduit jusqu'à la maison du Père. Tel que Dieu a recommandé à Moïse de dresser le tabernacle, quand vous rentrez dans le parvis, le premier élément qu'on trouve, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes est le lieu où on brûle les sacrifices. Le sacrifice est brûlé entièrement. Et le Seigneur reçoit un parfum de bonne odeur. Et après toi, le sacrifice, l'autel des holocaustes est le symbole de la croix de Jésus-Christ. Le chemin qui conduit à la vie éternelle passe par la croix. Quiconque ne passe pas le chemin de la croix ne peut jamais arriver à la félicité éternelle. À la croix, Jésus-Christ a été livré, il a été torturé, il a été sacrifié. Il a été sacrifié, crucifié pour mes péchés, pour tes péchés. À la croix, Christ a effacé nos transgressions, nos iniquités. Aussi, le chrétien a-t-il besoin constamment de se placer sur l'autel des holocaustes. Le chrétien va passer par la croix. Malheureusement, nous sommes parvenus à un siècle où nous voudrions d'un christianisme sans la croix. Nous voulons avoir du beurre, nous voulons avoir du pain, mais ne voulons pas de la croix.
Le chemin qui conduit à la maison, la première étape, c'est la croix. Si nous ne mourons pas suffisamment ou entièrement à la croix, nous ne pourrons pas connaître, suivre effectivement ce chemin qui mène à la maison du Père. C'est quand nous mourrons entièrement, c'est quand nous serons sur l'autel et la croix aura produit entièrement, suffisamment, son œuvre au travers de nous que nous pourrons plaire à notre Dieu. Imaginez un homme qui a eu à tuer une chèvre. Et il a mis un morceau. Et au flic. Il n'a pas mis au feu. Mais dis pas plus de Dieu. Pendant un jour. Deux jours. Trois jours. Comment sera la maison? Le que après maintenant on ne peut pas respirer dans une telle maison. Mais plusieurs chrétiens sont semblables à cette image. Nous sommes des sacrifices pour le Seigneur. Et une viande a besoin d'être mise au feu quotidiennement pour qu'elle puisse garder sa qualité. Afin que cette viande là puisse rester mangeable. Quelle est la dernière fois que nous avons été au feu en tant que chrétien? Avec Christ de temps, nous n'y sommes pas. Et puisque nous ne voulons pas aller au feu, notre adoration a des problèmes. Le chrétien a besoin de se placer sur la croix, sur l'autel, et de dire à son Dieu, je suis sur la croix, envoie le feu sur moi. Et il y en a Christ de tomber, ou à John de Kuvé, ou à Chicho Ganji, et il a Chicho Ganji, elle a tout à yon maube, le roi maube la Chicho Ganji, dont Chicho Dipo nous appartient. Et c'est alors que nous deviendrons des sacrifices vivants, sains et agréables à notre Dieu. Et mambeko, bien trop souvent, sans la tape, et yon que la Chemaou le plus beau de demain. Gloire soit rendue à notre Dieu parce que notre maman, nous la connaissons très bien, elle est passée par la croix. Tu es dans l'église, tu es sous cette apatame ce soir, mais est-ce que tu es passé par la croix? La première étape du chemin qui conduit à la maison, c'est l'autel des holocaustes, c'est la croix. La deuxième étape de cet itinéraire, c'est la cuve d'airain. Alléluia. Amen. Quand vous regardez l'autel des holocaustes, après l'autel des holocaustes, les sacrificateurs, avant de rentrer dans le lieu saint pour le service, il y a au milieu là-bas une cuve remplie d'eau que la Bible appelle la cuve d'airain. Les sacrificateurs après l'autel, après le sacrifice à l'autel des holocaustes, étaient appelés à se purifier, à se laver les mains avant de rentrer au lieu saint. La cuve d'airain, c'est le symbole ici du Saint-Esprit. Dans Jean le chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus-Christ déclare. Le dernier jour,
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Amen. Que quoi dire c'est à cela sera toi-même. Comme dit l'Écriture. Abalekenomokolable. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc il a coupé bokbokbokéter. Amen. Il a quoi dire c'est à Holandi. Bien aimé dans le Seigneur. Non, quand la paix dans la main. Quand le Saint-Esprit remplit nos vies. N'est pas quoi il n'y a pas de haut. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. La cuivre est l'image du ministère du Saint-Esprit que le Saint-Esprit accomplit dans nos cœurs déjà purifiés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a déjà purifié nos cœurs. Le Saint-Esprit maintenant vient nous purifier. Frères et sœurs, les sacrificateurs, en s'approchant de la cuivre, pouvaient regarder leur image dans l'eau. Parfois, quand vous approchez de, comment je dirais, d'un récipient plein d'eau, votre image est reflétée. Lorsque nous lisons la Bible, l'œuvre du Saint-Esprit, nous découvrons notre visage humain avec tout ce qui est encore dans nos cœurs comme impureté à être La cuivre d'erreur nous enseigne à nous dépouiller de nous-mêmes et à nous revêtir de l'homme nouveau. Et tu les aies, et bien les miens, tu peux bien de nous foutre, quand tu as les miens, et bien trop tôt à meiller. Le chemin de la maison. Et moi, il croit, mais. Ce chemin passe par la croix. Si la croix produit son œuvre dans nos vies, et le Saint-Esprit vient nous purifier, nous sommes réellement sur le chemin qui conduit à la maison du Père. Que le Seigneur nous aide ce soir. La troisième étape de notre chemin. Vous pouvez tourner même moi. L'autel des parfums. Et vos amis qui ont tourné, je ne peux pas dire. L'autel des parfums, les sacrificateurs sont déjà dans le lieu saint. Et là, sur cet autel, ils brûlent du parfum, de l'encens. Vos amis qui ont tourné, je ne peux pas dire. Mais vos amis qui ont tourné, je ne peux pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Cet autel de parfum préfigure l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de son Église et qui intercède en sa faveur. Christ intercède toujours en faveur de son Église pour son salut. Christ intercède L'autel des parfums symbolise également la prière ou l'intercession des chrétiens nés de nouveau. Si la croix a produit son œuvre en nous, si le Saint-Esprit nous a purifiés et a fait que nous sommes nés de nouveau, nous devons suivre ce chemin en persévérant dans la prière. Que nul ne pense qu'il pourra suivre ce chemin sans prier le Seigneur. Jésus-Christ lui-même, en tant que Fils de Dieu, priait beaucoup. Nous sommes parvenus en des temps très difficiles. Mais quand nous prions le Seigneur, il marchera avec nous. Et nous pourrons dire comme David, même si je marche
au travers de la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et mieux qu'un être abro avec David et Nébé, même son pari tout bleu, quand tu l'utilises le maintenant, et ma faute, je peux que vous. Mais attention, ces temps sont mauvais. Vous venez d'un premier le petit, et il y a où tu vas. Le téléphone portable prend tout nos temps. Il n'y a pas qu'à pour mon vieux, on va prendre le cabot quelqu'un. Les distractions prennent tout nos temps. Et nous, Frère, que nos yeux s'ouvrent maintenant. Et la stratégie du diable pour nous détourner de la prière. Non, Dieu, il y a un coup là, vous bien, Combien de temps, sincèrement parlant, passons-nous aujourd'hui dans la prière, dans la présence de Dieu? Le n'y a pas de tout à menu, mais quand vous pouvez nier les carouana et bébé de carouana et tout à menu, mais les morts. Avant d'aller à la croix, Jésus-Christ a veillé la prière. En fille, il y a ce voyage tout à l'heure et tout ça, tout béda. Si nous voulons atteindre la maison du Père, il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés sur le chemin. Aussi devrions-nous prier régulièrement pour nous ressourcer et que le Seigneur nous fortifie afin que ce jour-là, notre chemin puisse aboutir dans la gloire comme celle le chemin de notre maman. Notre chemin passe par la croix où nos péchés sont effacés. Notre chemin passe ensuite par la cuve des reins où le Saint-Esprit nous régénère et nous naissons de nouveau. Notre chemin arrive également à l'autel des parfums où Christ intercède au quotidien pour nous et où nous-mêmes nous devons intercéder, prier pour que le Seigneur garde le dépôt en nous jusqu'au dernier jour. Et bien moi et gâteau vos amis que tu as tout un joli violet. Que Christ Quelle est la quatrième étape de notre itinéraire? Cet itinéraire passe par la lampe à cette branche que nous appelons le chandelier. Le chandelier est le symbole de Jésus-Christ qui parle de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si quelqu'un ne marche pas dans la lumière de Jésus-Christ, il ne pourra pas accéder à la maison du Père. Et puisque Jésus-Christ est la lumière, il invite tous ses disciples à être la lumière de ce monde. Les ténèbres de ce siècle présent, un siècle décadent, sont très profondes où les chrétiens sont appelés à prier. Nous sommes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et tu que de tout à l'heure, combien de chrétiens, dans leur entreprise, dans leur service, se révèlent encore chrétiens? Christ tourne le week-end, l'homme tourne le fiou la benomle, ou katena ou nous que fiana avec Christ tourne. Ils sont combien? Ni ni ou ni bé. Ils ont honte de se révéler chrétiens. Un benomle, ou katena ou nous Christ tourne. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a un siècle, s'il y a un temps où le chrétien doit se révéler, où sa lampe doit briller effectivement, c'est ce siècle présent. Si nous qui sommes chrétiens, nos lampes sont éteintes, combien grandes seraient alors les ténèbres?
Je nous exhorte ce soir. Rallumons nos lampes. Alléluia. Amen. C'est une exhortation. Que nos lampes brillent. Que chaque chrétien où qu'il se trouve se considère comme une lampe qui brille dans un milieu obscur. Christ autant de ciel de vie que de l'air. Au de clave, il n'y a à cadi qui qu'un acteur de l'itiné. Si tu le fais, Yelouya, ton chemin sera éclairé. Un mot à dire à Pornao. Tu arriveras à la maison du Père. La veille d'où faut pas pleurer. Alléluia. Amen. Qui veut atteindre la maison du Père? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas pleurer. Qui veut arriver à la maison du Père? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer. Nettoyons les mèches. Nettoyons les verres, mettons de l'huile dans la lampe, allumons la lampe et qu'elle brille encore. Bien, je la écoute. Timi Niawari, Nia Tutu, me quête, Nia Tami Caribéome, et Nia Caribéome à Clémine. La cinquième étape de notre itinéraire, c'est la table des paix de proposition. Et le peu à ton lien, la mienne, moi, et un coup me boule ou pas à plomb. Pour la table des paix de consécration. Amenopi Tchotchon, un peu à boule ou pas à plomb. La table des pains de consécration de proposition se réfère à l'image du Christ, notre nourriture parfaite. Cette table se réfère au pain de vie. Akloya est développé fin avec Akpebolo ene. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le Akpebolo là. Et celui qui mange ce pain n'aura plus faim. Et Améthalagwa Boloma et Thomas Kawipo Pereo. Alléluia. Amen. Le chrétien doit manger ce pain de vie. Christ Tomula du Akpebolo ma. Celui qui veut accéder à la maison du Père, comme notre maman s'en est allée, doit pouvoir manger du pain de vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ. La table des pains de proposition invite le chrétien à la consécration. Nous pouvons double le peu à croyant et le peu Christ au temps des siens de paix pour tout le plus douané. La consécration de l'État. À tout le plus douané le plus beau de demain. Que chacun se soit analyse son délire de consécration. À me serre au temps, il y a le temple pour aller au tout le plus douané la peu de. Tout le monde vit maintenant comme bon lui semble. Et puis, me serre le noir d'avant les fêtes. Qu'il ne m'assoie pas ainsi pour toi. Mais dans mon nom, il y a. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Il me sent même là. Je dis bien qu'il n'assoie pas ainsi pour toi. Mais les problèmes, où est-ce que tu es dans mon nom? Reconsidère ta consécration. Allez, les gens, le plus haut, il ne m'a pas de coup de chi. Le vent qui souffle maintenant souffle très fort, trop fort d'ailleurs. Et il y a que le pour le kékéaou bien. Quoi est le possesseur dans les bébés? Mais que ce vent ne t'emporte pas. Consacre-toi au Seigneur. En ce temps de la fin, nous devrions être quand même capables de nager à contre-courant. Quand vous nagez dans le sens du courant, de la rivière, c'est très facile. Mais nager à contre-courant n'est pas chose aisée. Le chrétien du siècle présent décadent doit pouvoir être capable de résister, de nager à contre-courant. Christ, ton yonien, il y a bien. Il doit noter ceci. La dernière étape de notre itinéraire. C'est l'arche de l'alliance qui nous instruit à cet effet. L'arche de l'alliance se trouve au lieu très saint. Nous sommes là pour Dakar, elle est un peu coquette là. Et l'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et nous sommes là pour Dakar, elle est un peu du corps de mon nom, du corps de mon nom, et nous voudrions vivre
l'éternité dans la présence de notre Père. Alléluia. Amen. Nous voudrions vivre notre l'éternité. Quand nous aurons quitté cette terre, comme notre maman, nous voudrions être dans la présence notre Dieu. La maison de Dieu, la présence de Dieu, c'est notre bienheureuse espérance. Frères et sœurs, il y avait un voile qui cachait l'arche de l'alliance du lieu saint. Je t'annonce une vérité ce soir. Quand Christ est mort sur la croix, le voile est déchiré. L'accès maintenant à la présence de Dieu est donné à tout le monde. Si tu passes par la croix, le voile se déchirera devant toi. Et tu pourras avoir accès à la présence du Père. Je conclus mon message. Nous le chemin de la maison. Est-ce que tu as su ce chemin? Le moment dit. Alléluia. S'il y a juste quelqu'un ce soir ici qui n'est pas sur ce chemin, qu'il veuille bien m'en excuser. Ne amène le mien de retourner. Il veut le affaire au moment dit. Le double de ta flèche. Qu'il m'excuse. Ne t'en que. Mais je dois lui dire la vérité. Voilà. Il est perdu. Le ciel existe. L'enfer aussi. Celui qui n'est pas sur ce chemin que nous venons de tracer par le biais du tabernacle, est-ce le chemin de la perdition éternelle? C'est la croix qui ouvre ce chemin. Je t'invite à venir à la croix de Jésus-Christ ce soir. Qu'importe tes nombreux péchés. Même si tu es sorcier. Même si tu es idolâtre. Meurtrier. Même si tu es homosexuel. Même si tu es lesbienne. Toi aussi, Jésus t'aime. Toi aussi, Jésus t'aime. Quelle que soit la hauteur et ou l'immensité de ton péché, c'est justement à cause de toi que Jésus-Christ est allé à la croix. Le kékenye ou nous voit un peu comme ça. Mais depuis, nous voit au matin, Jésus a chuté un chino. Je ne te condamne pas à cause de tes péchés. Le ou nous voit ça, mais le fou. Mais permets que je te donne un conseil. Viens à la croix de Jésus-Christ. Tes péchés seront effacés. Il faut passer par la pure d'erreur. Le Saint-Esprit va te régénérer. À nous qui sommes chrétiens ce soir, au lieu saint, les débuts qu'on créa. Dans ce lieu saint, on fait le service. Les débuts qu'on créa où on attend. Le service que Dieu agrée. Et c'est le service de celui-là qui est passé par la croix et par la pure d'herbe. Et il y a un moment où il y a tout à chaud.
si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'a pas produit ton œuvre dans ta vie, et tu rentres dans la maison de Dieu pour faire telle œuvre, ou telle œuvre, telle autre œuvre, excuse-moi de te dire que ton œuvre est vaine. Le dernier jour, le Christ te dira, arrière, tu ne t'es jamais condamné. Pour que ton service soit agréé de l'Éternel, il faut passer par la croix. C'est la première étape. Et là est l'étape fondamentale. Alléluia. Amen. C'est la première étape fondamentale. Après cette étape, il faut passer par l'étape de la régénération. L'étape de la nouvelle naissance. Et c'est alors que ton service sera agréé du Père. Ainsi, le dernier jour, tu pourras rentrer au lieu très saint dans la présence du Père où notre maman est allée. Et il a ouvert le quête la péamea. Aura la quête de beaucoup de ma affiche bien nouvelle pour les mêmes. Exode 40, verset 38. Vous ne pas dans les verres à blanc et puis la tombe. La nuit de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Le peuple mon zokata mela mon peuple alili kula noa mon peuple alili kula non peuple la ti lengeteme eye e jenana israël peuple après bibola les âmes avaient joué. Amen. Dieu a agréé le tabernacle mon bon djele apatonchi, et pendant le jour une nuée accompagnaient les enfants d'Israël dans leur marche. Et pendant la nuit, une colonne de feu. Pour qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Le chemin de la maison du Père. L'itinéraire que nous venons de tracer. Si tu as respecté les principes de cet itinéraire, la présence de Dieu t'accompagnera de jour comme de nuit et tu arriveras à la maison de la gloire. Mon père me connaît, elle a pour les âmes avec quelques menées et il n'avait d'où pour la part de l'échine pour ma mère. Il m'a été dit que notre maman qui s'en est allée a demandé que pendant ses obsèques, et bien, elle a laissé une dernière volonté. Et tu as eu un petit moment d'être. Écoutez la dernière volonté de la maman. Après avoir prêché pendant mes obsèques, il faut lancer l'appel à la conversion. C'est la dernière volonté de la maman. Et c'est là l'expression de son amour pour nous qui sommes encore restés derrière. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? La vraie c'est que j'aime beaucoup ce chant. Ce n'est pas nouveau. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Je dis, nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu
Alléluia. C'est la dernière volonté et un homme ou une femme qui laisse une dernière volonté, on doit l'honorer. On respecte ça souvent. Tu es ici ce soir. Tu ne connais pas encore Christ. Mais quand je suis Christ. Pendant que les têtes sont baissées. Et toi aussi, tu veux entreprendre ce chemin. Pour arriver à la maison du Père. Jésus t'aime. Si tu peux être courageux ce soir. Et te lever. Les anges vont t'acclamer au ciel. S'il y a quelqu'un, un homme ou une femme, un jeune gens, une jeune fille. Qu'importe sa situation. Et il veut de ça dire à Jésus-Christ ce soir. Ne amène les miens demain. Nous tuons, nous lui ont des cartes de vie. Les kékés des galéhans. Mais tu viens toi donner à Jésus le Troya. Je te prierai de bien vouloir te lever. Maintenant que nous venons à notre trône. Et je vais prier pour toi. Et ma demeure est ta. Et n'aie pas peur. Mais qu'avons? N'hésite même pas. Et mes galets de cube, oui, qui est à ouais, toi qui est mes beaux. Sois courageux. Ne calme pas. Et que cette foule ne te fraye pas. Et amena le que nous ne te paye, ou me gâte mon chinao. Lève-toi ou lève ta main dans nos prières pour toi. Allô, quoi si ou ici, il y a tout grand état. Là où tu te trouves, lève ta main. Fille, qu'elle y a quoi si ici. Tu peux lever ta main simplement. Prier pour toi. Assis, Jiko. Quand tu prends les tao. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'une qui lève sa main, nous allons prier pour la personne. Mais amène quoi pas si tia. Quand tu prends la main ta. Je ne vois pas de voix. Je veux le pas assis. À quel niveau? Ah, d'accord, il y a une main. Assis le carré, il dit. Qui d'autre? Ah, mais quand même, là, quand il va s'y dire, mais bon, quand il est sous. Une deuxième main. Assis, venir. N'hésitez pas. Mais gardez-le, mais où? La maman a me tout vous aime. Mien, nos mamans a me tout, elle l'a mis. Jésus vous aime. Jésus Christ l'a mis. La maman Ametou aussi vous aime. Il voudrait que vous soyez sauvés en Jésus-Christ. Je vais prier, qui aussi, qui n'hésite pas, c'est le temps favorable. Nous avons déjà deux mains.
Est-ce qu'il y a encore une autre main? Je vais prier. Je m'en vais prier, s'il vous plaît. Je vois une troisième main dans le noir là-bas. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est une main que je vois là-bas? On ne me répond pas. Ah, me dit oui. Ça fait trois mains. N'hésitez pas. Mais j'ai déjà dit papa. Ce que nous faisons maintenant, c'est l'expression de l'amour de Maman Ametou, mais aussi du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Et lui, il est venu au troisième. Papa, baissez la main en attendant. Nous avons trois mains. Et je vais prier. Ceux qui ont levé leurs mains, est-ce que je peux vous prier de bien vouloir vous tenir debout là où vous êtes? Restez debout là où vous êtes, il va vous accompagner. J'avais une main ici. Ma mère a disparu. Voilà. Merci beaucoup, maman. Baissons toujours nos têtes, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces trois frères et sœurs. À votre place, répétez avec moi. Si vous parlez français, parlez français. Si vous parlez hébreu, parlez quand l'interprète va parler. Mais français, il donne un miracle de français. Mais même le béa, nous menons comme quoi? On a la plaine. Dites, vous donnez votre nom à partir d'aujourd'hui. La Yonko, à l'heure, tu es béji. Moi, Yahovi, c'est mon nom. Toi, si tu donnes ton nom. Et de Fouma, au Tia Yonko. Je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as donné un apôtre Jésus Christ. J'espère que vous prononcez la parole après moi. Seigneur Jésus, apôtre Jésus, je viens à la croix. Me va à Tchugalabo. Avec le fardeau de mes péchés. Ta plaine ne nous faut pas bao. Décharge-moi maintenant. Lave-moi maintenant. Dans ton sang précieux. Le haut pour croiser ma main. Et communique-moi ton Esprit Saint. Et nature. Pour que je naisse de nouveau. Écris maintenant mon nom. Écris maintenant mon nom. Dans le livre de vie. Le acte la main. Et pendant que je suis sur cette terre, marche avec moi, pas à pas, pour qu'au dernier jour, je puisse rentrer dans ta présence. Qu'il en soit ainsi pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Restez toujours debout, nous allons prier pour vous. Je vais inviter un pasteur qui va prier pour vous. Et si le pasteur Tchentchan peut organiser cette idée pour pouvoir prendre attache avec ses trois frères, avoir leurs coordonnées et les accompagner, ce sera une bonne chose. Il y a un papa ici, une maman là, et puis un autre dans le noir là-bas. Quand vous arrivez, il va se révéler. Et ceux qui n'ont pas eu le courage de se révéler, l'église d'Aguessan est juste à côté ici. Après, vous pouvez passer voir le pasteur. Vous allez voir le frère Edouard Ametou. Allô, il y a Edouard Ametou. C'est un évangéliste. Mon gars, c'est une famille d'évangélistes et de missionnaires. Que Dieu vous bénisse. Mon irani. Pasteur Emmanuel Abidi. Pasteur. Vous venez de prier. Mon gars, il y a une famille de l'église.
Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole profonde. Alors dis-toi que c'est pour toi cette parole. Moi, je l'ai déjà accepté. Je fais de cette parole ma ligne de conduite. Prions que le Seigneur bénisse le pasteur pour le fait qu'il s'est laissé utiliser pour communiquer ce message de fond. Le chemin de la maison. Le chemin de la maison. Nous sommes de la maison de devant. Reprendre ce chemin, cette voie. Celui qui ne rentre pas dans la maison s'égare. Celui qui s'est égaré et ne reconnaît plus la maison. Il n'a plus de famille. Il souffre. Beaucoup de choses se passent avec cette personne. Et nous, Bibiou, mais pour toi et pour moi, voilà, ce soir, nous sommes ici d'une famille. La famille de Christ Jésus. Christ Jésus pour moi. Revenons dans cette maison par cette voie qui nous a été tracée ce soir. Et moi, je vous fie au Troya, il n'y a plus de magie à toi qu'on va payer. Nous vous rappelons que le révérend Adekoué, il sert le Seigneur dans l'église des assemblées de Dieu de CB. Sabado, merci de moi. Okay. La prochaine fois, c'est CB. Et, il y a un autre qui n'a rien de l'autre de ciel et de il y a un pasteur pour toi à qui est mais que vraiment il y en a eu trop il y a un pasteur qui est le quoi assemblée de Dieu mais que le Sabado dit. Alléluia. Nous voulons encore une fois remercier tous ceux-là qui sont sur la patame. Et nous tous nous savons qu'il y a une pandémie qui fait rage dans le monde entier. Et ce soir, vous avez tous bien fait de porter vos masques. Et nous demandons à tous ceux-là qui n'ont pas bien porté leur masque de bien le faire. Après. Merci. Et que ma mia idée. Thank you.
Nous allons prier le pasteur Jérémie de prier pour les enfants. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous t'adorons, Seigneur, pour ces offrandes que nous venons d'apporter pour soutenir cette famille éclairée. Nous prions que ces offrandes soient sanctifiées et qu'elles soient utiles, Seigneur, pour les dépenses, pour amortir, Seigneur, toutes les dépenses de cette famille. Sois béni et sois élevé. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Mia tekukuna, mia nofi, amedenga to filomene, ewa cho, mtinya yu, mtinya wa achora. Donc la sœur amedenga to filomene va nous présenter l'histoire. Alléluia. Mia wele wadolo, akwena mi. Mia dada, mia no, kebetole, mia gwetia. Mia kwa tamia nade tanti. Tanti kate. Nous avons dit que 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 nous avons dit que
Thank you.
Nous remercions notre sœur Maoulé Yire. Que Dieu la bénisse. Wilson Emmanuel. Donc nous donnons le micro au frère Wilson. Alléluia. Maoulé Nakata. Et nous bien c'est le fan de l'opéra Akpedada Soukoumiango. Je vais aller en français. Annonce des remerciements. L'église des assemblées de Dieu du Togo, paroisse d'Agwe-Centre, temple Jéhovah Shalom, et son pasteur titulaire, révérend Ankou Saram. Le ministère des femmes du temple Jéhovah Shalom, le mouvement d'évangélisation du Togo, Campus pour Christ International, la mission Peace House, Maison du Repos, Gain Fionga, Folie Bébé 15 de Gridi, Tokbe Convé Alpha Folie, chef canton d'Abegan, la collectivité Menon Djegba du Togo et du Bénin, la famille Améliato d'Abegan, Monsieur Améliato Dotto Alino, chef de famille Améliato, la famille Sala de Gridi, la famille Ametou Kossi d'Atakwame et de Lomé, Monsieur Améliato Johnny, doyen de la famille Améliato, Madame Améliato Adèle Kayi, épouse Amoussou Ablo, couturière. Son époux et leurs enfants Lomé, M. Améliato Ezou Diwanu, assisteur à la retraite, son épouse et ses enfants Lomé, M. Améliato Dénion Joachim, professeur en médecine à la retraite, ses soeurs, leurs épouses et leurs enfants Lomé, veuve Wessou Virginie, née Améliato, commerçante. Son frère, ses soeurs, leurs époux, leurs épouses et leurs enfants à Lomé. Monsieur Ametou Kossi Kounake Edouard, évangéliste, directeur national du mouvement d'évangélisation du Togo Campus pour Christ, son épouse et ses enfants à Lomé. Monsieur Ametou Kossi Mbouke Roland, missionnaire de Peace House, Maison du Repos, son épouse et leur fille à Yaoundé. Mademoiselle Ametou Kossi Delali, revendeuse à Lomé. Monsieur Ametou Zissou Florent, interprète, traducteur chinois. Son épouse et ses enfants à Libreville, Gabon. Madame Ametou Fafadi Dodo, épouse Piti, enseignante, son époux et ses enfants à Lomé. Madame Amenitou Esse, épouse Goudinou, son époux et ses enfants à Lomé. Les familles, parentes, alliés et amis, Sala Ametou Kossi, Amenitou Kwasi Asiagbe Adjangba Amenyo Zogbema Atinyo Aboti Deku Denigban Cha Nyam Moussa Piti
Dinu, Wilson, Eda, Dayo, Agbo, Gudiagbe, Nayo, Amuzu, Ablo, Pedro, Ku, Foli, Messin, Amelanku, Amuzu, Miwamu, Dokui, Yakas, Kodovi, Amegan, Kuigan, Susu, Tosu, Azuma, Abe, Falana, Upejo, Hamadou, Bati, Fabini, Akoton, Yerima, Ani, Banyo, Etevi, Gassor, Laté. Profondément touché par de nombreuses marques de sympathie et d'affection que vous leur avez témoignées de diverses manières lors du décès de leur très cher et regretté Améliato Hemingway, nous Wode Catherine, veuve Kossi Ametou dit Tanti, dont moi j'appelle affectivement Tanti la joie. Institutrice à la retraite, ex-diaconesse à l'église des Assemblées de Dieu à Gouet Centre, rappelée à Dieu le 14 octobre 2021 dans sa 76e année. Nous renouvelons leur sincère remerciement et vous prie de bien vouloir assister ou de vous unir d'intention aux obsèques qui se dérouleront selon le programme ci-après. Alors, pour ce vendredi, nous sommes actuellement dans le programme. Donc, vendredi 29 octobre 2021, 18h à 20h, veillée de prières et de chants au domicile de la défunte. Samedi 30 octobre 2021, 6h00 à 7h30, chapelle à Nantes au domicile de la défunte. 8h00 à 10h, culte d'enterrement au domicile de la défunte. 10h00, départ pour le cimetière de Yorkoué. Les salutations de compassion seront reçues au cimetière. Maison Montier, Maison Kossi Ametou, à Agoué, à Tsanvé, rue prolongée de Sounou Bank, en face du commissariat d'Agoué, Yvé. Nous vous remercions. Et pour combien les Nananya, les Befandem, et autour à Pelada, Lena, Pumakata, So, même pas sur Boutoji, et que les agro-centres, à Saint-Durikoura, mais les agro-centres, Kaka, c'est Pumakata, à Mévévio, et Kono, à Méo, au Dim Pumiame, au Destroy Pumiame, mais ils ont pas qu'à fait paradis. Amen. Nous disons merci aux représentants de la famille. La famille nous charge pour tous ceux qui veulent soutenir par leurs divers moyens par rapport à ces obsèques. Il y a une table dressée à la porte de la maison. Vous pouvez vous diriger là et laisser votre don. Amen.
Comme vous le savez, quand une personne tombe, elle meurt plutôt, les dépenses sont tellement grandes. Excusez-moi si je prononçais mal le nom. Nous voulons présenter nos condoléances à la famille Amédée Niato. Qui est la famille de notre maman. Qui a été rappelée par le Seigneur. Puisse le Seigneur vous consoler. Puisse le Seigneur vous soutenir. Amen. Comme vous le savez, la famille est une famille missionnaire. Comme le représentant de la famille venait de dire tout à l'heure, l'autre frère Edouard, qui est un fils de la famille Ametsu, serve le Seigneur, il est le directeur du campus pour Christ Togo. Ce soir, je crois que beaucoup sont ses serviteurs, ou bien ceux qui servent dans ce domaine sont là pour leur apporter leur soutien. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous les évangélistes de Campus pour Christ. Où vous êtes, levez les mains. Campus pour Christ, de l'autre côté, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le soutien, merci pour votre présence. Alléluia. Amen. Alors, l'église, les Ades Agoyevé Centre, Assemblée de Dieu Agoyevé Centre, ses pasteurs, et le pasteur, ses diacres et tous ses membres, par ma voix, vous dis merci encore ce soir. Depuis que vous avez eu l'information que notre maman a été rappelée, vous n'avez jamais cessé de prier pour la famille. Vous n'avez jamais cessé de faire des déplacements et venir saluer, encourager. Vous avez investi financièrement pour voir notre maman être enterrée dans la paix. Alors que tout ce que vous avez fourni, tout ce que vous continuez à fournir, que le ciel vous le rende au centuple. Nous voulons au même moment saisir l'occasion et vous donner les annonces. Merci pour votre présence massive ce soir. Demain, c'est le culte d'enterrement. Comme nous avons déjà entendu, à 8h00 commencent les activités sur la bataille. Alors, si vous voulez voir encore le corps de notre maman, venez avant 7h45. Sinon, à partir de 7h45, le cercueil sera fermé. Nous bénissons le Seigneur pour la police verte qui, bien avant notre arrivée dans cette maison ou bien sous ce tapatam, ils étaient là. C'est pour notre sécurité. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous compter encore demain. Amen. Amen. Alors, mon épouse est là, au milieu de nous. Est-ce que je voulais faire ce devoir de la présenter, qu'elle se tienne debout ou qu'elle balance sa main?
Merci beaucoup à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur principal n'est pas là au milieu de nous. Parce qu'il est pris par une mission. Pendant qu'il nous accompagne spirituellement par ses prières, ses coups d'appel et bien d'autres. Merci beaucoup. Bien sûr, le programme. Nous avons la rubrique qui parle de la prière pour la famille, c'est très nécessaire. Le nous allons supplier. Tous ceux de la famille Amédé Nyato et de la famille Ametsu. De bien vouloir se tenir sur leurs pieds, s'il vous plaît. Et nous allons prononcer cette prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te bénir pour ton amour infini. Tu es le maître de la terre, des cieux et de toute créature. Jésus, tu es le maître. Il arrive que tu pénètres dans une maison et que tu prends la vie de celui ou de celle que tu veux. Où les membres de ces familles y voient la personne s'en aller. Ils crient en t'invoquant, soi-disant, Seigneur, permets que la vie continue. Mais tu dis que la personne est plus chère pour toi. Parce que c'est toi qui l'as permis de venir dans ce monde. C'est toi qui l'as donné tout ce temps de vie sur la terre. Leur a sonné pour que tu retires cette personne auprès de toi là-haut dans les cieux. Et c'est ce qui vient de se passer dans cette famille. Tu as pris notre maman. Nous avons versé les larmes, nous avons poussé des cris. Mais tu partais sans regarder derrière. Jésus, tu restes celui qui frappe et celui qui encourage, celui qui fortifie, celui qui guérit la plaie. Ce soir, si quelqu'un a besoin de toi pour être encouragé, fortifié, c'est les membres de ces deux familles qui sont là auprès de toi, qui d'ailleurs, il y a de cela 10 mois passés, ils ont encore pleuré leur papa. Viens en ce moment, console les cœurs, fortifie-les, que ton esprit soit à leur côté, que Jésus, ta parole, vienne les relever pour dire, la maman est plus chère pour moi, j'en ai fait ma volonté. Apprends-leur. Toujours à garder le regard fixé sur toi. Que ce départ éternel ne soit pas une occasion pour quelqu'une de ces deux familles à te donner d'eau. Mais au contraire, que quelqu'un puisse s'approcher de toi et dire au Seigneur, quel sera mon sort au moment où tu me rencontreras? Et que cela, cette réflexion leur donne de mieux s'attacher à toi, de mieux te servir dans tous les domaines que tu leur veux. Jésus, fortifie-les. 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 Ils en ont besoin. Au même moment, Seigneur, nous prions que cet genre de mort
ne se manifeste plus dans cette famille. Mais au contraire, que ta paix qui surpasse toutes choses soit leur partage au nom de Jésus. Et que notre Père et notre Seigneur, tout esprit qui se souleverait, qui prendra la face de notre maman pour revenir troubler le sommeil, la vie de quelqu'un de cette famille, que cet esprit soit anathème au nom de Jésus. Dieu de gloire, donne-les à se réjouir, car la maman n'est pas morte dans un état d'incrédulité, dans un état païen, mais elle t'a bien connu, elle t'a servi jusqu'à la dernière minute. Père éternel, donne à tout cela, même ceux qui ne te connaissent pas et qui sont dans ces deux familles, de mieux te connaître pour emprunter les pas que notre maman a empruntés afin d'être accueillis en leur jour dans ta maison. Sois béni au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Miete akwena fafala okata eke mami vadu do nokata kwe enu. Nous remercions tous ceux-là qui sont arrivés. Nous voici à la fin de cette cérémonie. Mettons-nous sur le pied pour la prière. Dans le temps où il n'est pas faux, le Seigneur nous dit. Vous comprenez qu'à ce qu'il y a là où on le bon de diable là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Quand ils sont papa là, on a des assumes. Ils ont des assumes pour les peuples de Dieu. Ils ont des assumes pour les peuples de Dieu. Ils ont des assumes pour les peuples de Dieu. Ils ont des assumes pour les peuples de Dieu. Ils ont des assumes pour les peuples de Dieu. Ils ont amen. Merci, mais vous asseoir pour quelques minutes. La famille a prévu un rafraîchissement à tous ceux-là qui sont venus. Que Améyo Katava, Bomea Edo, à Kofam Nana de Nao. Awesome.